Peut-être la map du tout, mais au moins vous pouvez. Donc ici, là, je repasse par la cobble. La lifestone, si tu pouvais en choper. Bon, donc voilà, donc ceci est un ghast. Un ghast que je vais essayer de buter avec une technique que très peu de monde connaît. Et je peux le choper. D'ailleurs, je me suis même organisé pour ça. Alors, il ne faut surtout pas, c'est qu'il tire sur ma porte du nether. Et lui, je préfère quand même qu'il tire sur moi. Allez. Donc, il est pareil. Non, c'est pas ça, voilà. Voilà, hop, comme ça. Je peux esquiver aussi ces balles. Bon, ça ne marche pas tous les coups, et c'est surtout lui que j'essaye de choper. Bon, c'est pas grave. Donc si la porte d'univers s'éteint, vous ramenez avec le briquet. Par exemple. Allez, je repars. Donc évidemment, ils vont l'aider. Alors, normalement... Voilà, bon, donc j'arrive pas à ramener la porte. Et je suis même mort. Donc ça, quand on est mort et que la porte s'est éteinte, on est dans la merde. Pourquoi? Bah tout simplement, parce qu'une autre porte va être générée. Et ailleurs. Ah non, elle s'est régénérée à mon placement. Non, voilà, voilà j'ai raison. L'ancienne map, enfin l'ancienne, a bien été supprimée. Le gaz est toujours là, donc je me barre tout de suite. Cependant ça pourrait m'être utile parce que je sais pas si vous le savez alors, comment dire un bloc comme ça parcouru dans le nether est l'équivalent de 8 blocs dans le monde réel et qui peut servir de téléportation. Faut vraiment que j'aille récupérer des affaires. Je vais briquer, de toute façon c'est le principal. Donc, à savoir sur les ghasts. J'ignore s'il peut me voir à travers la porte du nether. Apparemment non. Ils ont une vision très très mauvaise. Ils ont une très très mauvaise vue. Alors, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas voir ni à travers le feuillage, ni à travers le verre. Et apparemment, ils ne peuvent pas voir à travers non plus le portail. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne me tire pas dessus actuellement. Je suis derrière le portail. Donc je vais essayer d'activer cette porte et de passer à travers cette porte. Voilà. Hop, j'essaie de passer à ça. Donc on va bien voir où cette ancienne porte va nous mener parce que évidemment elle n'a pas la même direction que l'autre. Hop, ah bah oui. Normalement c'est censé mener à deux endroits différents en résultat. Ça fait un genre détruire une. Ou alors nous ça me servait de protection contre le ghast. Bon, je sais pas mes affaires. Ou alors la plupart sont tombés dans la lave et là je suis dans la merde. Donc voilà, donc je joue très contrariant, hein, surtout quand on va vers le nether, parce que jusqu'à présent tout se passait très bien et ils vont m'éteindre la porte. Même pas. J'ai de la chance. Donc pareil, ce système peut être un bon générateur d'obsidienne, étant donné que vous pouvez donc ainsi reproduire des portes pratiquement gratuitement. Pareil, vous pouvez détruire vos blocs sur le coin là-bas, c'est pas très utile. De la lave évidemment je peux en récupérer j'ai plus mon vital
bien abîmé en plus. Donc voilà, donc avec le feu, là, vous, donc avec le paquet, hein, vous pouvez mettre le feu à un Uzarak. Que je vais récupérer. On va récupérer un petit peu de Uzarak. Et j'avais une pioche. Voilà, alors je vous disais, donc les ghasts ne peuvent pas voir à travers le verre surtout. Donc si vous êtes en multijoueur, je vous conseille c'est de faire dans le nether, si vous faites des constructions dans le nether évidemment, de faire des chemins recouverts de verre. Ça vous mettra à l'abri des ghasts. Je vous ai montré des cochons zombies de loin, mais je ne vous ai rien expliqué sur eux. Je vais donc le faire. Il faut du bois. Et je suis plein de mur. Et je suis donc conséquent dans la merde. Vous m'avez foutu dans la merde avec vos conneries parce que je sais que c'est vous, enfin, que vous voulez que vous vouliez que j'aille dans le mauvais. Et moi j'ai fait la bêtise d'accepter, donc on est tous les deux un petit peu punis, mais bon. En même temps, il fallait bien que je meure arrivé à un moment. Parce que j'ai frôlé plusieurs fois la mort. Là d'ailleurs je recommence. Ok, excusez-moi, j'ai eu un lag. Je me crois de cette fois dans cette vidéo. Et ensuite, je me fais un circuit. Oh, parfait. Je me barre maintenant. J'y serai mort. D'accord, donc c'est un peu gagné. Là, ça sert à rien. Ah, j'ai perdu ma boussole avec. Oh non, non, pas la boussole. Pas la boussole. Ah bah non, la boussole, c'est bon. Elle est au point de spawn, et bien sûr, je l'ai perdu au point de spawn. Encore une fois. Donc, je cherche un peu tout. Ah. Donc, ok. Je vais mourir hein. C'est pas votre faute. On dirait que c'est votre faute. J'ai toujours mon gamin. Et voilà, on a toujours vu sur l'économie. Autant le faire en beauté. Pour ceux qui ne savent pas faire de la TNT, c'est comme ceci. Donc 4 sables, c'est de la sable, c'est du sable. Hein. Ce zombie comme ça, vous en avez. Et ceci est de la poudre de creeper. Voilà, donc j'ai un bébé. Je me barre. Hein, il a réussi à tuer un peu. Ah, bon, bon. Donc, bah tiens, je peux te montrer avec le creeper. Mmh.
Non, je vais pas vous montrer ce point ici, je vais peut-être vous montrer comme ça. J'ai appuyé sur Snake, donc je sais bien que ça va être. Voilà, il arrive. Et voilà, à quoi sert le Soul Sand? Ça sert à faire des chemins en sens unique. Donc le Soul Sand, je peux passer et je peux sortir, mais je ne peux plus rentrer par là. Et ça vaut pour les monstres. Voilà, donc ça c'était le chemin à sens unique. Vous voyez, je suis sorti et je ne peux plus rentrer à moins de sauter. Donc vous sautez, donc si je ne m'embête pas dessus, ah non, pardon, si je ne m'embête pas dessus en revanche, l'effet de la Soul Sand s'annule. Pourquoi j'ai un bug? Bon, j'ai un petit bug et quand je rentre, je sais pas pourquoi je me retrouve au bug zone. C'est un petit bug, donc moi je pourrais vite rentrer. Mais eux, en passant, bon, en fait ils vont simplement marcher, ils vont pas sauter.